Yo tout le monde, Sander Excel, et aujourd'hui on se retrouve sur l'aventure à la recherche des creepypasta. Donc j'ai un petit peu avancé, je me suis construit une petite barrique, donc j'ai quitté cette mine. J'ai dû régénérer une nouvelle map vu que j'ai installé des mods, enfin qui rajoutaient certains minerais comme le titanium. Encore du titanium. Ici j'ai quelques lingots de fer, là il n'y a plus rien. Là, j'ai de l'acier et de la parite qui ressemble assez bien au diamant. Donc j'ai quand même été assez bien miné. Donc j'ai ramené beaucoup de parite. J'ai encore un peu de redstone. Mais aujourd'hui au programme, comme vous verrez dans le titre, on va s'intéresser surtout à une usine à canne à sucre entièrement automatisée. Et forcément, comme je vous l'ai déjà dit dans une autre vidéo, pour faire fonctionner cet ordinateur, il nous faudra des feuilles. Et pour avoir ces feuilles, forcément, il nous faut du papier. Et j'ai rajouté un autre mode qui est Build de Craft, qui nous rajoute une table de craft automatique. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais aller miner parce que le premier épisode, bah, c'était le début et c'était le plus chiant. Donc ici, je vais quand même regarder où je vais bien pouvoir faire cette usine. Ouais, sur la petite île là-bas, non. Là devant ma maison, non. Limite ici sur le côté, si je rebouche ici. Ouais, ça peut se faire. Bon, ben, je vais vous retrouver, je vais aller miner, crafter les ressources, et on va commencer par faire cette petite usine. Donc, voilà, nous nous retrouvons. Donc, j'ai trouvé quelques petits diamants. Donc, je me suis fait une pioche, et il me fallait des ressources dans le nether. Et j'ai pété mon épée en route, donc je me recraft une petite épée avec du style. Apparemment, elles sont beaucoup plus puissantes qu'une épée en diams. Donc on va se faire une épée. Bien sûr, ce n'est pas ça le craft. Voilà. Normalement. Bon, je refais une petite ellipse le temps que je retrouve le craft de l'épée. A tout de suite. Donc voilà, j'ai retrouvé le craft. Donc il suffit de mettre un bâton. Deux styles pour avoir le manche, et ensuite dans la ligne du milieu, voilà, et elle fait déjà 8 points d'attaque. Elles sont plus compliquées à crafter que d'autres. Bon, voilà, ça c'était la petite parenthèse. Alors on va commencer par faire notre petite usine. Donc je me suis amusé à aller chercher quelques petites ressources un peu partout, et on va commencer par faire l'usine. J'ai oublié quelque chose que je vais bientôt aller chercher. C'est pour l'usine, il me faut de l'eau. Bien sûr, j'ai oublié ça. Bon, on va quand même commencer. Donc j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Pour l'usine, c'est une usine... Ah ouais, carrément. Ça one-shot carrément les moutons. C'est une usine... simple à ce niveau là, c'est celle qui est présentée le plus souvent. Donc à ce niveau là, il n'y a pas de souci à se faire. Normalement Minecraft, Zephyr ou IPR l'ont déjà fait dans leur vidéo. Et ici elle sera beaucoup différente vu que elle sera entièrement automatisée et ce sera pas une usine à canne à sucre, mais une usine à papier. Bon, on va commencer. Prenons une petite source infinie. Hop. On va terminer cette histoire. Et hop. Donc ensuite, là, il y aura la ligne des hoppers. Je me demande dans quel sens je vais les faire revenir les hoppers. Pour faire beau, il faudrait soit le déchargement ici. Bon, ça on va voir. Donc,
On va faire un petit peu de déco au niveau de cette usine, vu que tout va à peu près tourner autour de cette usine. Vu qu'il nous faudra masse papier, je vais faire comme ça, ce sera plus facile pour moi. Il nous faudra masse papier pour pouvoir utiliser le mode Creepypasta. Et voilà. Donc, on va continuer la petite usine. On va se débarrasser de ce qui nous est plus utile. On va prendre la pierre. Je vais faire cuire pour avoir du verre après. Ah mais je suis carrément con en fait. Ouais, d'après moi c'est juste parce que c'est le soir, j'ai une longue journée d'école comme d'habitude. Donc voilà. On va même carrément fermer derrière. Et à ce niveau-là, ce seront les hoppers qui vont prendre la relève. Voilà. Donc maintenant, on va s'occuper à placer tous les pistons. Donc ceci n'est pas difficile. On les met comme ceci. Bien sûr, on n'en a pas pris assez. Et non, je n'en ai pas pris assez. Bon, on va trouver une alternative. Non, c'est bon comme ça, j'ai déjà fait sur en vanilla sur un ancien serveur. C'est bon comme ça, normalement ça devrait pousser. Bon, ça reste purement théorique, comme d'habitude. Et voilà le début de notre usine. On va se reculer. Hop. Pourquoi je mets une torche? Oh là là, ça va pas être facile ce soir. Allez, voilà. Comme ça. Donc, on va prendre la redstone, les torches. Moi, j'ai quand même fait un petit plein. Ici, on va déjà commencer par placer deux torches suivies de la redstone qui va la suivre. Ouh, encore un coup de l'œil. À force, on a l'habitude. Voilà. Maintenant, on peut placer une torche le long. Je me suis mangé un demi-cœur de dégâts. J'ai pas compris pourquoi. Bon, pas grave. Ah d'accord, c'est un bug. Voilà. Donc à ce niveau-là, c'est bon. Et on va remonter. Donc d'abord un peu de nourriture, ça fait pas mal. On va remonter, on va mettre de la redstone de chaque côté. Est-ce que j'aurai assez de hopper? Bonne question. Et là, ce n'est pas utile vu qu'il y aurait le dropper. Voilà. Donc on se décharge une nouvelle fois. Pour l'instant, je n'ai plus besoin de ça. On va prendre ça, le dropper. Et je ne crois pas que j'ai pris assez de hopper. Bon, pas grave. On va trouver une alternative comme d'habitude. Oh là là, je me fail. Bon, rien de grave. J'en ai marre. Voilà. Déjà une bonne chose de faite. Prenons les comparateurs et les répéteurs, parce que je les ai pris
On va mettre le capteur ici, de chaque côté. Hop. Ensuite, on va s'occuper des petits répéteurs. J'en ai prévu un petit stock, comme ça je suis sûr de ne pas tomber à court comme les hoppers. Voilà. Comme ça, on a notre petite rangée de hoppers. Il m'en manque un. Je n'ai plus de hoppers, mais c'est mon coin. Oula! Oh, là, décidément, autant au premier épisode, j'avais méga de chance. Ici, il y a carrément la foudre qui s'abat sur moi. Tout va bien. Bon. Que je réfléchisse un peu. Que voulais-je faire? Ah oui, on va déjà s'occuper d'ici. Donc, à la sortie de ces fameux hoppers, on va y mettre des hopper duct qu'ils appellent ça. Donc c'est des petits tuyaux. Je ne sais pas si. Non, je vais faire passer plus bas parce que là il y a de la redstone, mais je sais pas si il y a des conflits avec la redstone. Je n'ai pas encore testé cette option. Donc, est-ce que j'ai prévu des coffres? Non. Bon, je fais de nouveau une ellipse et je reviens avec des coffres et le dernier hopper qui nous manque, ainsi que du verre. Donc, re tout le monde, j'ai été chercher le dernier petit hopper, ce petit coquin. J'ai été chercher du verre, ainsi que de l'aluminite. Comme ça, on ne sait jamais. Ça peut pousser plus vite, surtout quand c'est toujours exposé à de la lumière. Ça poussera, j'en ai marre. Ça poussera plus vite. Bien sûr, il a fallu que je me faille encore une fois. Limite. En attendant, ça va être remplacé par de la cobble. On va mettre un peu de cobble ici. Hop. Et on va placer nos vitres. Tout au long de notre machine. Hop, ça limite, on s'en fout, on en a un petit stack. Voilà. Donc là-dedans, on peut enlever la petite torche. Donc, nous y sommes. On enlève le verre. Et on va continuer notre machine. Bien sûr, il fallait qu'il ne se relie pas directement. Ça, c'est un petit bug qu'ils ont. Ah, cool. Vous savez quoi? Non, ça ne fonctionne pas non plus. Ou le porduc que je vais me battre avec, je le sens bien. Bon, ça m'énerve quand il fait son petit bug en mode je fais des caprices. Voilà. On va aller dans le sens inverse, on va aller dans le sens du poil. Comme ça, limite, il arrêtera de nous emmerder. Parce que si je fais comme ça, il voudra bien. Non, il ne veut pas.
Laissez-moi réfléchir à ce que je pourrais bien faire. Oh, ça m'énerve, c'est au peur du En plus, ça bug légèrement. Je fais encore une ellipse, j'en ai marre de faire des ellipses d'ailleurs. Et je vous retrouve une fois que j'ai résolu ce problème. Donc, me revoilà, j'ai été dans le sens du poil, et voilà qu'il est bel et bien relié à mon petit coffre. D'ailleurs, j'ai enlevé une torche et j'aime pas combien de torches qui s'enlèvent. Voilà. On va déjà. Oh, merde. On va déjà s'occuper de la canne à sucre à l'intérieur de la machine. On va quand même reprendre le verre pour clôturer cette machine. Donc, nous allons déjà mettre la canne à sucre que j'ai été chercher tout pile. J'aime bien quand c'est tout pile. Voilà. Ensuite, nous allons nous amuser avec nos amis les tuyaux et les tables de craft. Donc, un qui extrait. Le reste, on va faire comme ça. On va mettre les trois tables de craft les unes à côté des autres. En sortie, elles vont... Non, je dis en sortie. Parce que là, c'est comme si ça rentrait. Donc, en sortie, elles se rejoignent de nouveau. On va quand même un peu éclairer. Donc, on en aura deux pour... Bon, attendez, parce que Monsieur Pigman fait quand même un peu beaucoup de bruit. Voilà, il est calmé. On va quand même clôturer cet accès à chez nous. Oh, je commence à être en rade de nourriture aussi. Donc, maintenant, il nous faut celui-ci en diams, qui va se diviser en trois parties. Voilà. Même pourquoi en trois parties, je suis bête. Je veux juste récupérer du papier et du sucre à la fin. Donc il me faut que deux parties. Donc voilà. Maintenant, il me manque un peu de canne à sucre. Je crois que j'en avais laissé là sur le bar. Quelque part. Ah bah là-bas, il y en a encore tout le temps. Ça devrait aller. Donc, à la fin de l'épisode, si j'ai encore un peu de temps, je vais vous montrer quand même une autre petite partie de ce mode creepypasta. Ce n'est pas grand-chose, mais bon, c'est quand même un petit jeu de mots de la part de ces développeurs. Ils ont fait un petit jeu de mots sur le pasta. Je vous laisse deviner le jeu de mots. Pour ceux qui n'ont toujours pas deviné, ben, vous aurez ça à la fin de l'épisode. Donc, maintenant, on va s'occuper de l'autocraft et de ce qu'on retrouvera en sortie de cet autocraft et dans les coffres. Donc, le système de filtre n'est pas trop difficile. Le système de filtre, il suffit de mettre à la bonne couleur ce qu'on veut voir. Je me demande si ici j'en mettrai pas en fer. Enfin, ici on mettra en fer. Je crois bien que je vais faire ça. Donc ici, on va mettre trois cannes à sucre pour avoir du papier. Ici de nouveau trois cannes à sucre pour avoir du papier. Et ici, un pour avoir du sucre. Donc,
que maintenant je vais quand même faire aussi le filtre. Il me faudra du papier et un de sucre. Voilà. Le sucre, on va le mettre dans le verre. Ah oui, c'est vrai. Il prend juste une image. Et le jaune, on va mettre le papier. Maintenant, ce qu'il me faudra, voilà. On va en mettre à chaque sortie. Est-ce que j'ai pris un tuyau en fer, moi? Je ne pense pas. Bon, je refais une dernière ellipse et je vais chercher un petit tuyau en fer. Donc, nous revoilà après cette dernière petite ellipse où j'ai mis ma clé. Elle est là. Et on va faire en sorte que juste ici, voilà. Et comme alimentation, ce que je pourrais bien faire, c'est ça. Je me demande si il va me le prendre si je fais comme ça. Pour l'instant, c'est pas censé être beau, donc on s'en fout. Plus tard, on va sûrement encore plus automatiser. Ah voilà, ça fonctionne. Donc on va faire comme ça pour le début. On va faire comme ça. Notre usine est désormais fonctionnelle. On va se débarrasser de ce qui ne nous sert plus pour l'instant. On s'en servira sûrement pour d'autres trucs. C'est ma dernière côtelette de porc d'ailleurs. Mais je me demande si elle fonctionne bien. Donc, aurais-je encore une canne à sucre? Ouais. On va mettre ça dedans. On devrait extraire la canne à sucre. C'est pas parfait cette histoire. Il nous extrait la canne à sucre. Ah, il y en a que deux qui sont rentrés ici. Ouais, il nous faudra quand même un peu plus de canne à sucre, sinon il ne voudra pas. En attendant, ouais, je vais couper un arbre. J'espère que j'ai encore du blé. Je vais vite vous montrer la fameuse blague qu'ils nous ont fait. Malheureusement, je n'ai pas de blé. Je me demande si il n'y en aurait pas dans l'un des deux coffres là en bas. Je sais que ici c'est déjà quand même un peu plus intéressant. Voilà, il y a du blé. C'est déjà plus intéressant que la dernière fois. Bon, je me suis quand même longuement entraîné à Buildcraft parce qu'il a fallu que je comprenne les techniques des tuyaux. Et sinon, je commence à m'en sortir. Donc, maintenant, je vais vous montrer ceci. Non, je me trompe. Ah, voilà. On se fait un petit bol si... Ah, s'il veut bien, sans lag. Merci. Et quand on fait ceci, on obtient des pastas. La bonne blague. Bon. Sur ce, c'était Under Excel. Je vais vous dire la prochaine fois si l'usine fonctionne bien correctement ou pas. Et on se retrouve pour un prochain épisode sur à la recherche des creepypastas. Et je vous dis à la prochaine. Ciao!